Bienvenue à Fast and Magic. Faisons un rêve, Sacha Guitry. Ça, c'est en voyant le film, une fois de plus, parce qu'en fait, un petit peu mes livres de chevet, les vidéos de Sacha Guitry, et les romans aussi, tout ce qu'il a écrit, les pièces de théâtre. Mais n'empêche qu'en voyant Faisons un rêve, ça m'a donné l'idée de ça. Là, j'ai un jeu de cartes avec une carte qui est une carte mythique. Sinon, j'ai mon jeu que tu peux voir. Il y a toutes les cartes dedans, les cartes mélangées. Ouais. Et l'idée est très simple. Je vais retourner les cartes comme ça, tu vois. Et à un moment donné, je te dis toi très lentement, hein, je fais ça. Hein. À un moment donné, tu vas me dire stop. Alors si tu me dis stop, ce sera forcément sur un dos. Et si tu me dis stop sur un dos, je vais rentrer toi la carte comme ça. Et tu vas te rappeler de la carte. Ouais. D'accord? Ok. Donc si jamais tu me dis pas stop, toi par exemple là je fais ça. Là tu m'as rien dit, donc hop, je la prends et hop, elle est rentrée. Ouais. Mais si tu me dis stop, ce sera forcément sur un dos. Ok. Hein. Donc tu peux me dire stop. Tout de suite ou un peu plus tard, ça n'a pas d'importance. Stop. C'est là que tu veux? Ouais. Bon, je ne triche pas. Yes. Là, t'es gars? Yes. Regarde, je ne triche pas. Je ne triche pas. Je te signale que tout le jeu est mélangé. Ok? Donc, tiens, je vais remélanger. En fait, je vais t'expliquer comment ça s'est passé dans ma tête. Tu vois, j'ai regardé le jeu comme ça, et je me suis dit que ça pourrait être génial. Je prends une carte au hasard. C'est ça, faisons un rêve, tu vois. Oui. Et peut-être la carte que je viens de prendre, ça serait comme par hasard la tienne. Non. Ça te paraît pas possible. Non. Puis en plus, c'est marrant parce que tu vois la carte là, parce que moi je sais ce que j'avais mis là. Bah oui. Et comme c'est un dos différent, bah moi je sais que c'est la même. Mais là c'est vraiment encore un hasard. Mais ce qui sera encore plus un hasard, c'est que ça soit la carte que toi tu as vue. Que tu as prise au hasard dans un jeu de 52 cartes différentes. Ouais. C'est quoi ta carte? 8 de trèfle. Non. Ah si. Et dingue. Et en plus, et regarde, c'est celle qui était ma carte mythique. C'est ça, faisons un rêve. Merci, Sacha Guitry. À ceux qui font sourire, on ne dit pas merci. Je sais, ça ne fait rien. Et oui, le Gypsy Thread, le fil coupé de Gaëtan. C'est bien sûr ma version à moi. J'ai fait comme tout le monde, j'ai pris ce tour merveilleux parce que c'est un des plus beaux tours qui soit, des plus sentimentaux, des plus forts pour les gens, parce qu'il y a plein de choses qui se passent dans ce tour. Pourquoi? Parce que c'est le fil de la vie, bien sûr. Il y a des tas de présentations que vous preniez, Eugene Burger ou plein d'autres. Mais ça, c'est ma version, avec aussi ma méthode qui permet de commencer clean et de finir clean. Et ça, je trouve que c'est pas mal, c'est mon petit plus. Et puis, il y a plein de petits détails, le petit détail du cœur. Enfin, je vous en dis pas plus, vous allez le découvrir, le fil de Bloom. We'll be right back.
C'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine.